Michel Polnareff, je suis contente de pouvoir vous tenir là à un piano parce que je trouve que c'est une hérésie de vous faire du playback. On est bien obligé parce que on n'a pas le temps. Et puis on n'est pas équipé pour le moment pour faire autre chose. Mais enfin, je profite que Max Manceau est au son pour je ne sais pas quoi. Mais je voudrais bien un petit peu un Polnareff en liberté, comme ça. Et peut-être. Si vous avez besoin d'un thème pour démarrer, je crois pas, mais enfin quand même, je vous le donne. Peut-être essayez de voir un petit peu comment les choses ont évolué pour vous depuis vos débuts, sur un thème. C'est difficile à dire, qu'est-ce que vous voulez que je joue Je sais pas, essayez par exemple de voir comment du point de vue composition et du point de vue vocal, vous avez évolué. Je pense pas avoir tellement changé depuis le début, depuis Love Me par exemple. Quand je compose un truc au piano, que ce soit Matin ce soir, par exemple, moi ça me rappelle beaucoup l'ambiance qu'il y avait au début de Love Me par exemple. Disons que je me tourne plus maintenant vers quelque chose d'un petit peu plus typique, c'est-à-dire typique dans la mesure où ça devient maintenant du jazz, un petit peu jazz mélangé avec des rythmes un peu afro-cubains. Vous voyez ce que je veux dire, dans le genre comme ça, au hasard, hein. Oui, oui. You can tell on the fly with a dream in the summertime. It's just you got to realize. One more time on the side. You'd just be the sun. You'd just be a time to moan. Just to be on the fly. You get a lose, yeah. You get a shorty, shorty. You get a blue, yeah. I get a lose, man. You get a shorty, shorty. You get a flower, something blind. You got a something wild. Qui sont du blues un peu rapide, moi j'adore ça. Du blues un peu rapide, et il y a des moments où ça ressemble à de la musique brésilienne. Oui, oui, c'est ça, c'est ça. C'est ça. Moi j'aime beaucoup. Il y a un chanteur que j'adore qui s'appelle, qui est malheureusement pas connu comme il devrait l'être à mon avis en France, et qui s'appelle José Feliciano, qui est absolument fantastique. Et qui chante sur scène accompagné de son chien parce qu'il est aveugle. Et c'est un portoricain, je pense pas dire que c'est portoricain. Et il joue de la guitare merveilleusement, j'adore. Et justement, il emploie beaucoup de cordes à vide sur la guitare. Et ça, c'est justement dans ces rythmes-là, moi j'adore ça. Il y a d'autres choses, c'est difficile, vous savez, c'est difficile à. Comme ça, tout à coup, parce que. Je compose des fois toute une nuit et puis le lendemain je me rappelle plus ce que j'ai fait parce que je l'écris jamais. Au grand désespoir, oui. Alors grand désespoir. Là comme ça c'est difficile. Vous voulez que je joue des trucs différents? Oui, j'aimerais bien. J'aimerais bien, même en oubliant complètement qu'il y a un studio, que je suis là. Ah ben j'ai déjà complètement oublié de toute façon. Il y a d'autres genres. Qui t'a improvisé? Bah ouais. I
target of my sight. Suddenly, I had a little pocket of my heart. You in blue, no wind in the sky is blue. I'm in you when the sky is blue. C'est difficile à rendre parce qu'il faut plein de cœurs, il faut des violons. Et... C'est très très beau ça. Ce qui m'étonne toujours, c'est la force de votre voix. Force dans les graves, la force dans les aigus, la souplesse. Mais j'aime beaucoup personnellement chanter en anglais. On n'a pas beaucoup de chance de devoir chanter en français. Quand c'est bien en français sur une musique rythmée, c'est le mieux possible. Mais on a quand même beaucoup plus chance que les Allemands, les Espagnols. C'est très beau, ça ressemble à du folklore. Ça ressemble à du très beau folklore anglais. J'aime bien les choses simples comme ça. Simon Garfunkel, par exemple, font des chansons comme ça. Mm-hmm. Bridge Over Troubled Water, par exemple. Mm-hmm. Des chansons comme ça, j'aime beaucoup. Mais enfin, c'est que quand on l'entend comme ça, on l'entend bêtement, il faut l'imaginer. C'est-à-dire que quand je compose une chanson, j'entends ce que vous entendez et en plus j'entends les choses qui sont plus belles que finalement aucun arrangement qu'on n'écrira jamais parce que c'est aérien, ça n'existe pas. Et finalement quand on fait un arrangement, l'arrangement qui me plaît est l'arrangement qui se rapproche le plus possible de ce que j'ai imaginé à ce moment-là. Est-ce que vous pouvez essayer de rejouer à peu près ce thème en m'expliquant à chaque fois les arrangements que vous voyez. Mais je pourrais pas chanter en même temps aussi. Hein? Non, vous chantez, vous arrêtez, vous m'expliquez, vous enchaînez. À vrai dire, sur cette chanson-là, je crois que tout seul au piano, comme ça, c'est encore ce qu'il y a de plus joli, parce que finalement, tout ce qu'on peut imaginer, c'est souvent plus beau que ce qu'on fait vraiment. Alors là-dessus, peut-être que je le laisserai carrément comme ça, et finalement, ça permet à chacun d'y mettre l'arrangement qu'il veut. Oui, c'est ce que je pensais en l'écoutant. Et je crois que si elle est vraiment jolie, ben on entend les violons là où doivent être, on entend... C'est pas seulement joli, hein, c'est très émouvant, c'est... vraiment. Sans ça, j'ai d'autres choses. Oui, j'allais vous le demander.